صباح الخير سيد الرئيس السيدة والسادة أيها الحضور الكريم ladies and gentlemen before we start would you please use the headsets available at your desks for opening addresses and presentation made either in French or English thank you صباحكم سعيد يشرفني أن أرحب بكم في هذه الندوة الدولية التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيسف في موضوع العنف في الوسط المدرسي المعارف والسياسات والممارسات لإعطاء انطلاقة أشغال هذه الندوة يشرفني أن أعطي الكلمة للسيد الحبيب الملكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تفضل سيد الرئيس شكرا سيداس بيسيوزي حكي زيمانا السيد أمين العام المحترم السيد مدير الهيئة الوطنية للتقييم المحترم سيدات والسادة الأعضاء أعضاء المجلس المحترمين كم أنا سعيد بتواجدي بينكم اليوم بمناسبة افتتاح الندوة الدولية التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون بطبيعة الحال مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حول موضوع العنف في الوسط المدرسي هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتصور الذي نطمح إليه جميعا من أجل بناء المدرسة الجديدة وأود في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا وخاصة السيدة نجاة مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بمناهضة العنف ضد الأطفال والسيدة غزلان بن جلون نائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل وبشكل خاص إلى أطفال الأعزاء الحاضرون معنا وإلى كل الجمعيات والأساتذة والباحثين المتواجدين معنا اليوم والمشاركون معنا عبر الاتصال السمعي البصري كما أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشادة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وممثليها وأطرها في المغرب على تعاونهم ودعمهم المستمر للمجلس وأعرب لهم باسم المجلس عن كامل الشكر والامتنان لكل الجهود المبذولة للمساهمة في تنظيم وإنجاز organiser et à faire réussir cette rencontre. Messieurs, dames, la ratification du Maroc concernant la Convention internationale des droits de l'enfant en 1993 est un moment historique dans la lignée de respect et la protection de l'enfant internationalement. Elle a été signée par Feu Sa Majesté Hassan II en personne en 1989 à New York et tout de suite après, il y a eu la ratification pour la protection de la vie de l'enfant. Et ensuite, notre pays s'est intégré dans cet atelier sous les directives et sous l'égide de Sa Majesté Mohamed VI et son Altesse Royale la Mariam. Construire l'avenir de notre nouvelle école dépend de l'avenir de l'enfant. Et c'est ce qui est considéré comme un pilier de la société marocaine. Et en se basant sur cela, le Conseil s'est basé sur la responsabilité qui lui a été donnée pour concentrer ses efforts pour évaluer toutes les politiques en relation avec la recherche scientifique, les politiques et les connaissances, avec un grand pilier qui est la construction d'une nouvelle école se basant sur l'égalité, l'égalité des opportunités, en garantissant tous les droits aux enfants. Et en se basant sur cela, nous nous... nous
nous sommes là, nous nous basons sur notre approche participative et nous garantissons le soutien de toute initiative qui aide à garantir et à atteindre ces objectifs, parmi eux le droit à la scolarité et faire en sorte d'avoir les bonnes conditions pour que l'école soit attractive. Et sur cela, nous sommes sûrs que la réforme du système scolaire demande l'engagement de tout le monde, toutes les parties prenantes dans le domaine, comme cela exige la participation de toutes les parties de la société. Et l'engagement du Conseil dans cet effort collectif est primordial pour le domaine et aussi suite au à toutes les fonctionnalités d'évaluation concernant les problématiques du système scolaire. En plus de cela, et en considérant que le système scolaire va connaître de grands changements, de grandes réformes qui nous sont exigées par l'accélération de la technologie, le Conseil est invité à jouer ce rôle de fédérateur pour toutes les parties prenantes, tous les acteurs pour cette nouvelle école. Et il est également invité à fédérer concernant les articles 18 et 21 qui sont dans la vision stratégique du Maroc pour faire face à toutes les formes de violence. Et dans ce sens, en collaboration avec l'UNICEF, nous avons pris en compte la violence au milieu scolaire comme phénomène gravissime et qui nous empêche aujourd'hui d'atteindre nos objectifs et l'objectif de notre nouvelle école comme on la veut tous, surtout nos écoles, ce qui impacte directement l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, nous essayons de comprendre ce phénomène de façon meilleure et d'évaluer son impact sur la qualité de l'apprentissage et sur l'environnement scolaire pour pouvoir mettre en place des politiques publiques utiles pour adopter une approche évaluative, comparatif et déterminer les bonnes pratiques et les bons modèles qui aident à mettre en place un environnement scolaire propice à l'apprentissage. Dans le système scolaire, l'école fournit un environnement sûr et sécurisé pour l'apprentissage. C'est un milieu où tout le monde doit se sentir, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants ou les cadres éducatifs, se sentent en sécurité, respectés et soutenus. Mais la réalité est autre. Vu qu'il y a eu des études dans le milieu scolaire, dans les institutions scolaires, souvent il y a des phénomènes qui sont différents, qui représentent des harcèlements, des violences, même via Internet. Ça pousse même à la réclusion sociale, ce qui impacte l'environnement d'apprentissage, l'environnement scolaire, et ce qui impacte la sûreté des élèves en milieu scolaire. Et il est très important de souligner que l'impact négatif de cette violence peut aller au-delà des victimes directes, pour qu'il impacte également les enfants qui sont témoins de ces violences, ce qui génère une atmosphère d'angoisse qui impacte l'opération d'apprentissage et leur capacité de se concentrer, et un manque de confiance en soi, ce qui peut amener au final, dans certaines situations extrêmes, au phénomène, de quitter l'école. Mais, chers collègues, en se basant sur ce qui précède, et on doit toujours mettre en priorité la violence en milieu scolaire et évaluer les raisons spécifiques derrière cette violence, toujours pour qu'on puisse obtenir les leçons essentielles pour avoir un environnement scolaire sain, sûr, qui fournit
un environnement respectueux et d'apprentissage pour tous. Et suite à l'étude faite par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche avec le soutien de l'UNICEF, c'était l'objectif de cette étude justement. Et il est important de mentionner que les résultats les plus importants auxquels nous sommes arrivés, c'est que le phénomène de la violence en milieu scolaire au Maroc est très proche de des statistiques internationales. Et il est aujourd'hui à un niveau dangereux, et c'est à l'État de régler cela et d'essayer de contenir ce phénomène. Et ce que l'on voit des résultats, c'est que c'est dans tous les niveaux, peu importe les cycles scolaires, et parmi ces indicateurs, ceux en relation avec la violence orale, parce que les élèves qui ont fait face à ce type de violence, selon leur déclaration, sont de 16% au primaire contre 23% en secondaire. Et en ce qui concerne la violence corporelle, le taux des élèves qui ont déclaré ce type de violence est de 15% au primaire, 13% au secondaire. Et parmi les indicateurs primordiaux, celle qui est sur la mesure de l'impact de la violence à laquelle font face les élèves sur leur scolarité. Et il est important de mentionner que les évaluations faites comme partie du programme national de l'évaluation de 2019 démontrent que les résultats des élèves aux primaires qui ont été victimes de violences et de 12 à 17 points. Ils ont moins de 12 à 17 points de leurs collègues élèves qui n'ont pas été victimes de ces violences. Et les résultats assurent que cet écart est encore plus grand lorsqu'il s'agit d'élèves du secondaire. L'étude a démontré que les actes de violence au milieu scolaire est aussi entre les élèves principalement. Tandis que le corps éducationnel arrive à la seconde place. Comme il a été démontré que les cadres administratifs et les personnes en dehors du milieu scolaire sont responsables des actes de violence dans l'environnement scolaire, mais avec des taux moins importants, beaucoup moins importants, et souvent que les violences sont sexuelles, surtout pour les élèves, les filles, les élèves filles, qu'elles soient symboliques ou qu'elles soient corporelles. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, peu importe les résultats et les indicateurs que l'on peut obtenir sur les différents types de ce phénomène et de sa propagation, c'est un vrai défi pour une performance saine de notre système scolaire et des opportunités d'intégration de l'individu dans sa société. Et toutes les parties prenantes se doivent de prioriser, d'y donner une importance primordiale pour pouvoir avoir un climat scolaire sûr, sain, de qualité en milieu scolaire. Et dans ce sens, je voudrais vous faire part de quelques mesures que nous estimons nécessaires. Elles peuvent même être cruciales. Tout d'abord, le sujet du combat de la violence en milieu scolaire doit être un pilier dans la réforme scolaire. Et ça demande l'engagement d'une réforme profonde des raisons de ce phénomène pour pouvoir la contenir dans toutes ses étapes et dans tous les niveaux scolaires. Ceci exige un effort spécial, spécifique, qui exige une sensibilisation au sein des acteurs
pour faire face à tous les types de violences en milieu scolaire. Ensuite, invité à mettre en place des organismes de surveillance et renforcer les mesures disciplinaires, ce qui renforce le climat de sûreté et de sécurité pour les élèves. Et dans ce sens, il faut se comporter avec la violence scolaire à travers des mesures disciplinaires et une surveillance plus appropriée pour protéger des actes malveillants et de la violence. Et ceci de façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus fonctionnelle. Et pour arriver à cela, il s'avère qu'il est nécessaire de remettre en place des organismes de surveillance pour qu'on puisse surveiller, monitorer, contrôler tous ces types de violences. Et la même chose s'applique sur la mise en place d'une base de données bien déterminée, de mettre en place des indicateurs importants pour pouvoir surveiller le phénomène comme un tout. Ensuite, le troisième point considère la mise en place de mécanismes dans toutes les institutions scolaires pour obliger tout le monde à respecter les règles disciplinaires en se basant dans toutes les institutions scolaires. En conclusion, j'espère que nous allons avoir des débats approfondis, riches, qui vont nous permettre de comprendre et de connaître les meilleures façons de combattre ce phénomène pour servir mieux notre système scolaire dans tous ses niveaux. Et j'espère que vos travaux auront le plus grand succès. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا سيد رئيس مجلس الآلة للتربية والتكوين والبحث العلمي. الكلمة الآن للسيدة. Merci beaucoup. Maintenant la parole pour la représentante de Nuit Sefici au Maroc, Madame Speciosa. Speciosa. Okay. Merci. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les enfants qui est parmi nous, Monsieur le Directeur de l'Instance nationale de l'évaluation, honorables invités, Mesdames, Messieurs les experts, chers enfants, chers partenaires, chers collègues. Cette semaine, nous allons célébrer ensemble la Journée internationale de la lutte contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyberharcèlement. Et cette journée nous rappelle qu'à l'école, les enfants ne se trouvent plus ou ne se trouvent toujours pas et partout dans un environnement protecteur, comme on l'aurait souhaité. Et l'école, qui devrait être un lieu d'apprentissage et d'épanouissement, se transforme des fois, ou des milliers d'enfants dans le monde, en un espace où règne la peur et l'anxiété. Et on le sait, la violence diminue fortement la capacité d'apprentissage pour ces enfants qui sont victimes, diminue la capacité de prestation des services pour ceux qui devaient les encadrer. Et les études sérieuses montrent que la violence laisse de graves séquelles, non seulement au niveau physique et cognitif, mais aussi au niveau comportemental. Et ça, c'est sur le long terme qu'on observe chez les personnes qui en sont victimes. Aujourd'hui, ce séminaire est un aboutissement du long travail mené conjointement entre le Conseil supérieur de l'éducation et l'UNICEF, pour mieux appréhender la thématique de la violence en milieu scolaire, laquelle constitue pour l'UNICEF une priorité aussi bien au niveau global qu'au Maroc. Et notre devoir à nous tous est d'agir pour que l'école retrouve sa mission noble, où chaque enfant apprend, se développe, s'épanouit et est protégé, quel que soit son sexe, son statut socio-économique, son lieu de résidence ou d'apprentissage.
Le droit à l'éducation étant un droit fondamental de la Convention des droits de l'enfant, l'école doit être cet outil vertueux de transformation des sociétés qui nous permettra d'honorer l'engagement de chaque pays vis-à-vis de l'objectif de développement durable numéro 4, lequel stipule que d'ici 2030, toutes les filles et tous les garçons suivent sur un même pied d'égalité un cycle complet d'apprentissage et d'enseignement qui débouche sur un apprentissage véritablement utile pour leur vie. Et on le sait, on le répète toujours, la violence en milieu éducatif est un vecteur d'échec et de dépercussions scolaires. Beaucoup d'enfants abandonnent l'école à cause de la violence qu'ils subissent ou de la peur d'en subir. Et ensemble, avec le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, nous avons réalisé l'étude sur la violence en milieu scolaire qui a permis d'en apprendre les causes profondes et des recommandations requises pour transformer l'espace scolaire en un espace sain et protecteur ont été développées et vont vous être présentées et vous allez aussi en discuter. Donc, les conclusions de cette étude qui sera présentée aujourd'hui je remercie Monsieur le Président et son équipe, sachant les difficultés que nous avons eues pour mener à bout cette étude. Vous savez, elle a commencé en 2020, on l'a finalement terminée en fin 2022, avec vraiment des collègues qui sont vaillants, qui ont pu se battre contre tous les facteurs, y compris le COVID et les autres. J'en passe. Et donc, nous savons que ça a été réalisé grâce à notre partenariat qui était exemplaire et qui est exemplaire. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, la violence à l'école, comme Monsieur le Président l'a dit, est un fléau mondial. Et notre souhait, à travers ce colloque international, est d'échanger nos expériences, de réfléchir avec les experts, avec les enfants qui sont ici représentés aussi, et les acteurs éducatifs et les autres acteurs de la société pour identifier les meilleures pratiques qui sont positives à des changements à opérer. Et cette rencontre a pour objectif d'aboutir à des recommandations concrètes. Monsieur le Président en avait cité quelques-uns, mais ce serait bien aussi de vous entendre pour avoir des recommandations qui sont menées à des actions pour lutter efficacement et prévenir la violence en milieu scolaire. Nous avons, comme on l'a dit au début, le privilège de compter parmi nous Madame Najat Mjid, qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les enfants. Et on le sait, on s'en réjouit déjà. Sa contribution aux travaux de ce colloque est hautement appréciée. Nous souhaitons aussi votre soutien, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui vont émaner des travaux de ce colloque dans le monde et aussi au Maroc. Et nous allons travailler ensemble pour le faire. Donc, je ne vais pas m'étendre avec ce mot, juste pour conclure en nous souhaitant à tous une participation active et un résultat qui soit actionnable à la fin de ces deux journées que nous allons passer ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la représentante. Merci beaucoup, Madame la représentante de l'UNICEF ici au Maroc. Et maintenant, la parole à Monsieur Chimansour, le directeur de l'organisme du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Par Monsieur le Président et Madame la représentante de l'UNICEF. Je vais être très très rapide pour laisser plus de temps aux enfants qui vont intervenir juste après. Et comme vous l'avez mentionné, Madame la représentante, ce colloque est l'aboutissement d'un long processus incluant à la fois l'étude, sa présentation auprès des acteurs concernés et ce colloque.
Et ce processus a été piloté au niveau de l'INE par Mme Ahmed Bouqia, qui nous a honoré aujourd'hui par sa présence. Et je remercie chaleureusement, c'est elle qui a initié ce processus de l'étude. Et aujourd'hui, le colloque, comme vous l'avez constaté sur le programme, porte sur les connaissances, les politiques et les pratiques. Donc c'est l'objectif principal, c'est d'examiner ces rapports. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne politique sans connaissances, au sens large. Pas que les connaissances académiques, les connaissances des acteurs, études, etc. Et comme il n'y a pas de bonne pratique sans bonne politique, et vice-versa. Donc le colloque aujourd'hui examine ces rapports avec une variété de formes de débat et d'échanges. Je ne vais pas lire le programme, bien sûr, il y a les plénières qui portent un éclairage sur la question au niveau international. On verra ça avec Madame Najasmji et Madame Tracy Variancourt de l'Université d'Ottawa. Ensuite, il y a des ateliers qui portent sur des aspects beaucoup plus pointus, à savoir les bonnes pratiques, le rôle des acteurs, etc. Donc, je remercie encore une fois nos partenaires de l'UNICEF et l'équipe de l'INE qui ont travaillé sur ça pendant au moins 3 ans et d'avoir préparé pendant plusieurs mois ce colloque. Je vous remercie. Merci beaucoup au directeur de l'Instance nationale de l'évaluation. Après ces paroles préliminaires, je vous invite à entendre et à écouter les enfants qui vont partager avec nous quelques points dans cette conférence. Et merci. سلام انا ندى وانا هنا اليوم باش نهضر على موضوع اللي كيهمنا كاطفال واللي هو ظاهره العنف في الوسط المدرسي بزاف ديال الاطفال من جميع انحاء العالم كيعانيو من العنف داخل المدارس وهذا العنف ممكن يكون جسدي ولا نفسي وكيشمل التنمر الضرب السب والشتم هذا الشيء عنده اثار وخيمه على حياه الاطفال لمده سنوات عديده بحال الاصابات الجسديه ضعف الثقه بالنفس القلق فقدان الاهتمام بالدراسه اللي كيؤدي في بعض الاحيان لهدر المدرسه دابا السؤال هنا كيفاش يمكن لنا مكافحه العنف في الوسط المدرسي كاينه مجموعه من الخطوات اللي ممكن نتخذوها لتقليص هذه الظاهره خاصنا نشجعوا الاطفال على التبليغ على اي حاله عنف تعرضوا لها ولا شافوها ويتم التوجيه ديالهم لاشخاص بالغين اللي غيقدروا يعاونوهم وخاصنا نزيدوا الوعي بهذه الظاهره باستعمال بزاف ديال الاساليب بحال ورشات العمل اللي ممكن تكون فعاله باش تعزز الحوار بين الاطفال حول هذا الموضوع بحال الورشات اللي نظمها المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي بالشراكه مع اليونيسف اللي اشتغلنا فيهم مع مجموعه ديال الاطفال اللي كيمثلوا جهات المغرب على شنو هي الجهات المعنيه بالعمل على تقليص هذه الظاهره وقسمناهم لثلاثه ديال الفئات اللي هما الاطفال الاسره والمحيط والمؤسسات والادوار ديال كل فئه منهم واشتغلنا كذلك على التوصيات قرار هذا المؤتمر الدولي لمحاربه العنف في الوسط المدرسي وهذه شهادات ديال بعض الاصدقاء اللي حضرنا اليوم جميع باش نحدوا باش نوضعوا حد لظاهره العنف في الوسط المدرسي وانا كذلك ساهمت في البرنامج اللي الموضوع ديالو مكافحه العنف داخل المؤسسات التعليميه واللي كيخلي واحد الاثر سلبي في نفوس التلميذ او التلميذه واللي كيسبب وكيؤدي لانقطاع عن الدراسه انا اليوم هنا في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي باش نشتغلوا على واحد القضيه اللي كتهم الاطفال وهي العنف داخل المؤسسات التعليميه اول حاجه قدموا لنا نتائج البحث اللي داروا المجلس الاعلى بشراكه مع اليونيسف ثاني حاجه اشتغلنا على شكون هما الجهات المعنيه وشنو هما الاجراءات اللي ممكن يتخذوا باش يشتغلوا على هذه القضيه هذه
وباش نوجدوا التوصيات اللي غنقدموا وصلنا على القرار في المؤتمر اللي غيكون في لو 1 وفي لو 2 نوفمبر. وبالنسبه للرساله ديالي فهو العنف بجميع الاشكال ديالو هو غير مقبول في المؤسسات التعليميه. كنشكر الناس لانه علمونيش ويجب ما معلموش يا قدر نعلمو مي كوليغ ولا مي كاماراد دو كلاس لي تما غيبارطاجيوها مع دوت جون باش هاد الظاهرة تحيد. جي فيني سي بور لا ديفونس دي دروا دونفون. J'aime bien défendre les enfants qui sont en situation difficile. احنا كأطفال قادرين نترافعوا ونضلوا على أي قضية كتهم الطفل ومن بينها قضية العنف داخل الوسط المدرسي. بغيت نقول للكبار ثقوا فينا احنا الصغار حيت احنا قادرين نبرزوا المشاركة ديالنا وحنا جينا اليوم باش نبرزوا المشاركة ديالنا ونوصلوا الرسالة ديالنا. وفي الختام باش نضمنوا بيئة آمنة وصحية للأطفال في المدارس خاصنا نشتغلوا مجموعين على القضاء على هذه الظاهرة حيت الحفاظ على سلامة الأطفال هو مسؤوليتنا كاملين. تابعونا في الندوة الدولية حول العنف والضغط والعصي. Anas, est-ce que ça va? Pourquoi tu es mal à l'aise? Je n'ai rien, laisse-moi tranquille, je peux parler. Non, je peux pas te laisser comme ça, nous sommes camarades et amis. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça reste entre nous? Oui, t'inquiète, je vais le garder entre nous. Les élèves, ils me gênent, ils me saoulent, ils me taquinent, ils se moquent de moi, c'est trop. Je ne peux plus le supporter. Ceci est un harcèlement. C'est un des problèmes auxquels beaucoup d'élèves font face. J'ai une seule solution pour combattre ce problème, c'est d'abandonner l'école. Non, ce n'est pas la solution. Écoute-moi, Anas. Hier, j'ai fait partie dans un atelier du Conseil supérieur avec l'UNICEF et il y avait des élèves comme toi et moi, et nous avons discuté par rapport à ces problèmes. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, bien sûr. Il y aura aussi une grande conférence à Rabat sur la violence en milieu scolaire avec de grands responsables, de grands personnalités. Et nous, les enfants, nous sommes participants aussi. Bien sûr, ils vont nous entendre, ils vont prendre en compte et en considération nos points et nos avis. Est-ce que tu voudrais que je leur transmette un message? Oui, j'ai beaucoup à dire. J'aimerais une école sûre, sécurisée, où il y a l'équité, la justice et l'égalité, avec des professeurs qui m'écoutent, et un milieu scolaire sans violation, sans violence. Tu as raison, nous avons besoin de cette école et nous devons tous contribuer dans ce changement et nous pouvons tous changer ces phénomène. Nous pouvons aller aux écoles sûres et sécurisées, sans crainte. Nous voulons une école où notre dignité est protégée. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Cette démonstration, cette petite pièce théâtrale a été organisée par les enfants qui ont fait partie l'atelier qui a été démontré dans la vidéo tout à l'heure. C'est organisé par Youssef. C'est un élève dans la deuxième année du collège et Sheima qui est aussi dans le même niveau scolaire à Tiaroudent. J'aimerais aussi à introduire Mehdi et Doha qui ont aussi fait partie dans l'atelier.
ils vont participer aussi dans l'atelier de voir des militants dans la protection et protection contre la violence en milieu scolaire à Oujda. Et merci à vous deux.